suis là pour vous défendre, madame. Oui, allez, assurez-vous s'il n'y a plus de danger, je vous attends. Et surtout, veillez bien sur ma voiture, mon or, mes bijoux. Oui, madame la marquise. Mes amis, je ne vous quitte pas. Je vous confie mon honneur. La paix partout, la proclamation est plus claire que le jour. Nous protégeons les hommes quand ils votent pas, et toutes les femmes quand elles sont jolies. Thank you.
Quel beau jour, quand la providence en fait, je t'en dans mes bras, quand t'es cri d'un peu le silence de nos corps ou de nos bivouacs. Oh,
consueto maniere je puis me rapprocher de celle qui m'est chère. Elle, elle, pour fêter le sauveur de notre enfant, de notre fille, vivons tous très cause à son liberté. Très bon, à son liberté. Un tour de Rome, c'est fête de famille. C'est de famille. Cosa la Bavière qui va devenir ton pays? Jamais, jamais, Pluton brisait mon père. Que dis-tu? Oh, la France avec vos amis. À la France, à la France, avec vos amis. Pour que la fête soit complète, tu vas nous dire, mon enfant, notre ronde du régiment. Écoutons, écoutons le chant du régiment. Chaque le regiment.
restons de l'appel en avant et ne plaisantons pas avec le règlement. Toi, garçon, hors d'ici. Il est mon prisonnier et je réponds de lui. Hein? Moi, je n'en réponds pas. Allons filer, l'ami. Thank you.
Je voulais retourner dans mon château, mais nos montagnes sont remplies de soldats.
et j'ai peur. Et permettez, madame la marquise, votre château, vous le nommez? Mais du même nom que moi, Berkenfield. Ah, oh, sacre bleu! Quel rapport entre ce nom-là et celui du capitaine Robert? Plaît-il? Le capitaine Robert? Vous l'avez connu? Oh, beaucoup, monsieur. C'est-à-dire, non pas moi, mais une personne de ma famille. Ma sœur. Oui, monsieur, c'était ma sœur. Et cette sœur? Oh, elle n'existe plus. Mais de son mariage avec ce Français, il naquit un enfant. Une fille? Comment savez-vous? En effet, une pauvre enfant que le capitaine m'a dressée avant de mourir. Mais le vieux serviteur à qui elle fut confiée y perdit la vie. Et la seule héritière de ma fortune et de mon nom. Votre nièce! Perdue, abandonnée, écrasée dans la foule, morte, la pauvre enfant. Sauvez, sauvez, madame, grâce à nous. Oh mon Dieu, monsieur, vous la connaissez donc? Ah, si je la connais. Mais encore un mot, monsieur, cet enfant est-elle digne de moi, de son nom? Du nom de Berkenfield. Je crois bien. Elle a été élevée. Parfaitement. Elle est noire d'ici. La voilà. Corbleu, qui est donc cette âme? Chut, Marie, voilà ta tante. Ma tante? Vous êtes ma tante? Oh, sacre bleu! Oh mon Dieu, elle jure. Quelle éducation! Alors, ma tante? Je vais vous présenter mon père, le régiment tout entier. Oh, plus tard, plus tard. Il faut l'enlever, ces gens-là. Le plus vite possible. Mademoiselle Marie, il faut que vous repreniez désormais le titre et le rang qui vous conviennent. Et vous allez me suivre à l'instant. Vous suivre? Les abandonner? Mes amis? Je le désire. Et au besoin, je le veux. Et de quel droit, madame? De celui que votre malheureux père m'a donné sur vous, en mourant. Mon père! Allons, du courage, il le faut. Eh bien, oui, je partirai, mais vous viendrez tous avec moi, tous! Miséricorde! Un régiment! Je vais marcher sous vos drapeaux. Ah, mes amis, quel jour de fête! Je vais marcher sous vos drapeaux.
Monsieur Soupeur, monsieur
suis soldat, je suis soldat. Il faut qu'on me la donne. Elle ne peut être la personne qu'à sa tante qui va l'emmener de ce lieu. Oh.
si nous vous quittez, je vous suis. Impossible, vraiment. N'êtes pas engagé. Oh mon Dieu, oh non. Chère Marie, voilà mariée, mariée à l'un des plus grands seigneurs de l'Allemagne. Oh, 150 quartiers de noblesse. Oh, si Marie n'est pas assez heureuse avec ça. Madame la marquise, vous me désirez? Approchez, approchez-vous, je vous le permets. Vous êtes un brave homme, un bon soldat.
Je crois, morbleu. Marie vous écoute, vous avez sa confiance et vous m'avez aidé à la rendre plus docile. Grâce à mes soins, son ton et ses manières soldatesques ont presque entièrement disparu. Et j'ai pu lui choisir pour époux le duc de Krakenthal. Et Marie, mademoiselle Marie. Elle a consenti, mais pas avec cet empressement que j'aurais désiré. Aussi, je compte sur vous pour lui donner du courage. Nous signons ce soir même ici le contrat qu'on enverra au duc à la cour. Duchesse, une vivandière. Silence, la voici. Allons, approchez, approchez, mon enfant. Thank you.
encourager? Oui, c'est trop gaillard pour la circonstance. Aujourd'hui surtout que je réunis les plus nobles têtes du pays, des têtes égales à la mienne. Ah, soyez raisonnable, enfant. Alors, embrassez-moi. Oh, tenez-vous droite. Levez la tête, là, comme ça. Ah, quelle jolie duchesse cela fera. Elle est charmante. Sonne du fou.
Que
Écoutez-moi, de grâce. Je dis,
Madame la marquise. La haute noblesse de ma famille, son désir de me faire contracter un mariage digne de mon nom, m'avait condamnée au célibat. Bien au-delà de l'âge où les demoiselles de mon rang se marient d'ordinaire. J'avais 30 ans, et quoique belle alors, j'étais libre encore. Pauvre fille! Le capitaine Robert m'avait vue. On dit qu'elle était... Oh, charmant! Ah. Je l'aimais! Et malgré mon horreur pour une mésalliance, je lui aurais donné ma main si son départ pour une campagne nouvelle ne nous eût brusquement séparés à Genève, où je l'ai suivi en secret. Ah, ah. Quelques temps après, je vins l'attendre dans ce château, mais j'y revins seule, sans elle. Elle? Qui donc? Ma fille. Marie? Oui, ma fille, dont il fallait cacher la naissance au risque de me perdre. Oh, comprenez-vous maintenant? Je tremble que mon secret éclate tous les yeux. Comprenez-vous aussi que j'aime Marie et que me l'enlever, ce serait m'arracher la vie? Vous la garderez, madame la marquise, vous la garderez. Ce mariage sauve tout. Il donne un nom, un rang à celle que je ne puis avouer et me permet de lui assurer toute ma fortune. Oh, décidez, Marie, le contracter et j'aurai pour vous une éternelle reconnaissance. Comptez sur moi, madame la marquise. Un cœur de soldat s'en trompe pas et s'en trahit jamais. Madame la marquise, la société commence à venir. Le notaire attend déjà dans la bibliothèque. Oh mon Dieu, dans quel moment? Madame la duchesse de Krakentorf. Ah, madame la duchesse, avec quelle impatience nous vous attendions, ma nièce et moi. Je vais avoir l'honneur de vous la présenter tout à l'heure. Bonjour, madame la marquise. Mais votre nièce n'est-elle point d'ici? Elle va venir. Sa toilette qu'elle finit. Oh, elle a tant à cœur de plaire à madame la duchesse. Tout le monde est-il présent? Tout le monde? Excepté le futur. On ne se conduit pas ainsi avec la première noblesse du pays. Oh, je me sens mourir. Quel scandale! Moi, je suis la duchesse de Krakentorf. Maintenant, je
traceré sur scène.